à la Mutuelle des Motards. Depuis ce matin, on planche sur les projets en cours de création, un travail qui demande une implication et qui peut générer du stress. Pendant ce temps, Michael au volant installe son truck sur le parking avec son nouveau concept. Entre deux séances de travail, les salariés s'offrent une pause relax dans un salon de détente high-tech, créé par Michael, ancien footballeur professionnel. J'ai eu la chance pendant ma carrière d'avoir justement des soins, des masseurs, des ostéos qui prenaient soin de nous après le travail. Donc voilà, c'était pas un domaine qui me déplaisait. Donc j'ai commencé à faire des formations dans les massages. Et après, petit à petit, l'idée m'est venue de faire un peu comme les food trucks, c'est-à-dire d'essayer de faire un salon de détente dans un camion. Dans son 8 mètres carrés, il a installé trois sortes de fauteuils massants, dont un breveté et médaillé au concours Lépine, qui optimise la respiration. Il décline le bien-être autour de 6 activités différentes, dont le massage manuel, pour des séances de moins de 20 minutes, idéales pour des salariés. Ça nous permet aussi de sortir de l'entreprise et puis de se retrouver dans son camion, dans son petit cocon. Il proposait aussi, c'était le seul qui proposait plusieurs ateliers comme la luminothérapie. Donc c'est vrai que pour nous, c'était une évidence de faire appel à Michael. Ça a été ? Super. Super ? Je suis parti loin. Une reconversion pour Michael entamée il y a à peine un an. Personnellement, je suis content déjà parce que c'est un nouveau concept qui n'existe pas dans la région, même dans la France. Donc pour l'instant, voilà, je suis le premier à lancer ce nouveau concept. Et après, ça me rend vraiment heureux quand je vois justement les personnes qui rentrent dans le camion et qui ressortent après avec le sourire. Et ça marche. Aujourd'hui, ses principaux clients sont les comités d'entreprise sur la ville de Montpellier.